Salut à tous les amis, et c'est votre Tavernier. Et bienvenue pour un nouveau let's play sur ma chaîne, Limbo. Limbo qui est un jeu ô combien énigmatique, horrifique même, mais à la fois plein de charme. Nous allons nous lancer dans ce let's play où tout nous reste à découvrir. C'est parti. Bonjour petit garçon. Ouvre les yeux. Lève-toi. D'accord. Donc c'est, je contrôle mon personnage. Nous sommes un petit garçon gardé à la forêt. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Donc j'ai pas vraiment de... Je joue avec les touches directionnelles. Il n'y a pas vraiment d'autre chose à faire. Ok. Avançons dans cette forêt ô combien macabre et étrange. Même repoussante, je dirais. C'est parti. C'est superbe. Les effets noir-blanc, c'est super joli. Est-ce que je saute? Allez, on y va. Oh, des pics. Ça passe. Non, tu ne veux pas? C'est quoi les touches? Alors, c'était RL. D'accord. D'accord, je vois. Je vois, je vois. Est-ce qu'il ne serait pas plus facile? Re les amis. Ah, ça va mieux. Avec la manette, ça a l'air beaucoup plus pratique. Allez. Qu'avons-nous là? On peut descendre peut-être par là. Quelque chose me dit, ne tombe pas dans le trou. J'ai envie de voir. D'accord, il se noie. Il ne sait pas nager. Merde, faut que je refasse tout le truc là. Ok. Ah, c'est beaucoup plus pratique à la manette. Hein. Hop là. Beaucoup plus stable. D'accord, donc notre petit Manu, on va l'appeler Manu. Manu ne sait pas nager. C'est balou. On va passer par là. Puis on saute par ici, on continue à avancer. Qu'est-ce qu'on a là? Un bateau. Mais que faisons-nous dans cette forêt? Ouais, ça s'est détaché. Que faisons-nous dans cette forêt? Que cherchons-nous? Que sommes-nous? Qui sommes-nous? En tout cas, j'adore l'atmosphère. La musique aussi. Il y en a pas. Je pense que ça correspond assez bien à... au jeu. Très sombre. Sombre et dérangeant, là, en fois. Ok, très bien. Ouais, ouais. Le bateau, peut-être. Mais oui, Tavernier, le bateau. Mais oui. Voilà. Hop là, ninja. Le ninja est partout. J'aime bien.
J'aime beaucoup l'univers. J'aime moins bien cette forêt par contre. Bon, attention, il va rien m'arriver. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Oula, un piège! D'accord. Je croyais que je l'avais pas vu. Hein? Je croyais que je l'avais pas vu ton piège, la con. Ça ne prend pas avec moi. Aïe. Oups. D'accord. Peut-être une idée. On va mettre le piège en dessous. Allez, vas-y, monte. Monte, Manu. Voilà. Tu vas avoir pour effet d'activer le piège et de me refaire remonter. Voilà. Ça a l'air d'être un petit jeu d'énigmes. Regardez-moi ces effets visuels. C'est joli, hein. C'est pas dégueulasse, ça. Pas piquer des lentilles, comme dirait l'autre. Alors. Continuons. Bon, il me fait un peu flipper avec ses yeux, là. Oh putain de merde! Alors, j'ose pas imaginer ce qui me serait arrivé si j'avais continué. Allez, monte. De toute façon, tant qu'il n'y a pas de bestioles dégueulasses, moi ça me va. C'est pas une bonne idée, ça. Je me disais que peut-être que la caisse allait flotter et puis j'allais pouvoir traverser la rivière. Mais il n'en est rien. Je pense que je dois amener cette caisse derrière, hein, en fait, de monter sur les arbres, tel Tarzan. Voilà. Voilà. Et trouver peut-être quelque chose qui me permettrait de passer cette rivière. Ok. Faire ça aussi. Plus haut. Oh là là, j'aime pas ça. Allez, vas-y! Accroche-toi, petit. Accroche-toi à la vie. Oh. Ça passe. Voilà. Et hop, monte. Oh, de ce que je sais dans ce jeu, c'est qu'il y a des grosses araignées. J'aime pas les araignées. J'aime beaucoup l'effet visuel, c'est très très travaillé en tout cas. Donc évidemment, nous n'allons pas sauter de tout en haut, on n'est pas aussi con. Hop hop hop, j'ai vu un truc là. Ça là. Non? Ok, donc si je pousse l'arbre. Ça devrait le faire. Oui! Ça passe, ça. Ça passe tranquille. Je vais pas m'en fier avec ce jeu-là, parce que je sais pas, il m'inquiète quand même, j'avoue. Oula! Oula, qu'est-ce que c'est? Salope. Pas moyen que j'ai peut-être une idée. Elle va m'empêcher de passer. Cette espèce d'icounasse. Faudrait que j'arrive à faire tomber ce piège. Mais par quel moyen? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Peut-être que ça fait trembler. Ah, ça fait trembler la terre. J'aime pas les araignées. Non. Ah, t'es. Oh, t'es mauvaise. Ah, c'est tombé.
pense qu'il est tombé le machin. Oui! Tu vas voir. Tu vas voir qui c'est qui va finir en casse-croûte, ma grosse. Ok. Bing! Hein, on fait moins la maline! T'en veux encore? T'en veux encore, c'est ça? Ah ah! Tiens! Oh merde, elle m'a chopé! Oh, c'est dégueulasse! Genre, elle me repousse, elle me bouffe même pas. Ah putain, elle m'a trop surprise! Elle m'a trop surpris! Salope! Ah putain, j'ai eu trop peur! Genre, m'a feinté en fait là. Merde. Ah, c'est dégueulasse. Genre, elle m'a traversé avec sa grosse patte bien velue, bien dégueulasse. Alors celle-là elle est plus rapide. Voilà, elle est beaucoup plus rapide celle-là. Par toi, Taverdi. Faut ton destin. Faut ton destin. Voilà. Fais-moi la maligne, hein. Eh, rentre chez toi. Coolas. Ah, ça fait un peu flipper. C'est assez dérangeant, l'univers. Je suis pas trop fan. Enfin, je suis pas fan dans le sens où... Ah, il y a des toiles d'araignée. Oh là là. Oh là 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 là. Ah non. Non! 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 Je regarde pas. Adieu. Non, rien de rien. Non. Je ne regretterai. Oh non. Non! Lâche-moi! Me mange pas! Elle va manger. Ah, c'est dégueulasse. Je te mets là. Allez, push! Vas-y, Manu! Ah, oh, j'ai cru qu'elle allait me bouffer. C'est dégueulasse. Faut que je trouve un moyen d'enlever ce machin. Ah! J'ai joué, Tavernier! Encore une brillante idée de ta part. Hein. Ça passe. Ah, c'est dégueulasse, ça. Je vous ai déjà dit que j'aimais pas les araignées. Eh, Tavernier, t'aimes pas la mer, t'aimes pas les araignées. Qu'est-ce que tu aimes? La maison. Quelque chose me dit, ne reste pas là, Tavernier. Oh là là, je vais me faire écraser comme une crêpe. Je suis crisacier. J'ai marre de mourir comme un con. Ah, c'est dégueulasse, ça. J'ai été étonné de voir que vous vouliez que je joue à Limbo. Merde. Bon, malheureusement, il n'y aura pas de Morrowind, à ma grande déception. Yeah. À ma grande déception, je ne pourrai pas faire de Morrowind. Oh non, encore la voilà. Non, non. Attends, l'araignée, va-t'en. Retourne chez ta mère.
retourne chez ta mère. Je me tire. Mais le maman, pourquoi je me dis sans te le dire? C'est bon. Je suis libre. Relève-toi. Il y a une araignée géante pas loin. C'est l'araignée de Seigneur des Anneaux. Elle veut se venger de moi. Ah. Oh merde. C'était un piège. Visiblement. Oh, oh les bâtards. Mais qui fout des pièges ici? Ah t'es niqué. Tu t'y attendais pas? T'étais persuadé que j'allais tomber dans ce piège, mais en fait non. Ça me stresse un peu quand même. Hop là. Allez. Oh, ça passe. J'étais très fort à Super Mario 64. Oh, l'idée à la con. L'idée à la con. Ah, je m'en doutais que ça allait me tomber sur la gueule, mais je pensais... Voilà. Déjà, ça passe bien comme ça. Bon. Je suis un fou, moi. Oh putain! C'était... Le réflexe de sauter était là. Par contre, celui de sauter au bon endroit, non. Un petit peu d'Assassin's Creed dans ce monde brut. Yeah! Ça passe! Oui! Promenons-nous dans les bois pendant que le loup... Oh non, encore. Elle est mécanique, celle-là. On va complètement repousser. D'accord. Faut passer au bon moment. Hein, qu'est-ce que tu fais, la gamin, hein? Oula, j'ai eu un petit coup de lag. Ninja! Qu'est-ce que c'était que ce boy? Oh, l'idée à la con. Oui! Ah! Visiblement, c'était pas une bonne idée. Non, 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 non. C'est passé. C'est des gamins de la forêt qui me balancent des... C'est Peter Pan mais qui a mal tourné en fait. Tu vas voir ce que tu vas voir. Quand je vais vous choper, je vais vous défoncer. Mais des gamins pendus et tout. C'est une société... Je sais plus comment on appelle ça, d'enfants. Oh merde! Fuyez! Un étranger envahit nos terres! Ah, j'ai un doute là. Comment je vais faire? C'est comme dans Garry's Mod. Voilà. Ouais, il fallait passer. Oh merde, les bâtards, ils ont rien. C'est comme dans Garry's Mod. Il faut faire en sorte qu'ils déclenchent le piège avant que j'y sois en fait. Aïe, aïe. Compliqué là. Voilà. Je vous ai bien baisé. Alors, faut pas sauter. Si je saute, je meurs. Allez, gamin. Oh, le bâtard. Ah, ben, c'est Peter Pan en fait. C'est les potes à Peter Pan. Quelle est cette étrange lueur? Oh non! Va te faire foutre! Oh merde! Je m'en fous, j'y vais direct là. Je fais quoi là?
Je sais. Parce que je suis un homme prévoyant. Sur les petits pièges. Ah, je peux pas les prendre. J'ai cru que je pouvais les prendre, mais en fait, il s'est avéré que tout cela était comme un songe. Tu vas voir, je vais te feinter. Je te passe au travers. Et merde. Ah, mais c'est dégueulasse. Au moins, il me fait traverser. Est-ce que je peux pas, genre, glisser là? Oh, j'ai une idée! Ça y est, je sais! Je me tire! Oui, ciao, Bella! Visiblement, elle veut me bouffer, elle. C'est donc contre ça que les enfants de la forêt se défendent, contre des araignées énormes. Mon temps, c'était le capitaine Crochet. Ah oh non, va falloir que j'attende. Non, non, je veux pas. Doucement. Salut! Oh le con, je me suis chié. Et merde. Ah, faut que je recommence tout! Putain! Oh bonjour l'angoisse quoi. Waouh. Putain, j'aime pas les araignées. Je n'aime pas les araignées. C'est vraiment les bestioles les plus dégueulasses qui m'aient été portées de voir. J'aime pas les araignées. J'aime pas les araignées. Elles sont vraiment. Allez, au bout des doigts. Oh, ça passe. Oh, non mais qu'est-ce que c'est que ce machin maintenant? Vas-y, 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 vas-y. Run for your life. Run for your life, Tavernier. Oh non! Non, non, non! Ami! Ciao, ciao! Je t'entends plus, hein? Viens me bouffer pour voir. C'est facile à vrai dire. Bon, note à soi-même, jamais sauter sur les araignées. Elles finissent toujours par te manger. Je glisse. Bon. Ça c'est très bien, mais je fais quoi? Ah, la camorceau. Ah non, vous n'avez pas obligé à faire ça. Oh non, putain. Elle veut quand même bouffer, même avec une seule patte. Je suis sûr, faut que genre je chope sa patte. Je te tiens! Ah, on fait moi la maline, hein! Là! Ah, elle bouge encore! Oh non, je marche dessus! Ah, je vais vomir! C'est dégueulasse! Allez, tourne! Tourne, tourne! Ne regarde pas! Ne regarde pas! Oh là 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 là! C'est charmant! C'est charmant! C'est le meilleur jeu au monde. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Mais putain, mais c'est quoi cette société de gamins de fous là? Les mecs, ils enferment les leurs et tout. C'est vraiment dégueulasse. Hein. Nous sommes les enfants de la forêt. Super, Tavernier. Tu t'es bien raté. J'espère que ce jeu n'est pas très long parce que ça me fait flipper quand même. Ça me dérange. Ça me dérange ce jeu. Et
Et ils descendent la montagne à cheval. Bon, des araignées, hein, comme ça, moi, je veux plus trop en voir. Hein, c'est bon. On en a vu assez au début. Oh là là, je... C'est bien, on y voit bien que dalle en plus. Écoutez, pourquoi pas? Ah, on dirait qu'ils sont contrôlés par ces petites bestioles là. Sur la tête. Hein. Est-ce que les vers ne contrôleraient pas ce petit personnage? Alors je me suis dit peut-être qu'il ferait pas. J'ai joué sur le bluff. Ou alors... Vous voulez qu'on joue au plus dégueulasse? On va jouer au plus dégueulasse. Bye bye. Eh, le truc s'est barré évidemment. La petite esquive. Voilà. Ouais, c'est dégueulasse. Je dirais qu'il y a des insectes un petit peu partout. J'en étais sûr. Putain, j'en étais sûr. Bon, mais les amis, c'est sur ceci qu'on va arrêter cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à très bientôt pour une suite de vos aventures dans ce monde horrifique. Combien horrible. Salut! Getting shorter, lack of energy I'll conquer in my soul. This is